le côté défensif. Ouais, très bien. Okay, Ngorfaï qui va progresser. David Sambissa. Mikael Ngorfaï. Mikael Ngorfaï. Le centre de Ngorfaï au second poteau à la réception. Mikael Ngorfaï. Le repli défensif de David Sambissa. Pate 6 qui décale pour Mikael Ngorfaï. Le centre des Panthères du Gabon. Qu'est-ce qu'on pose ce soir? Égalise le ballon. On se précipite un tout petit peu. On les juger rapidement à cause de ce but matinal qui est heureusement pour le Gabon. Avec ce ballon là-bas sur le côté gauche. Ouais, également. Et Sono qui joue quand même pour la première fois dans ça. Ça va revenir côté Sénégal et ce tir. Ouh là là, deuxième but donc du Sénégal. Et complètement à la bourde. Ouais, il surprend par cette frappe super en pleine lucarne. Regardez comment il prend le ballon. Ce ballon, il est bien smashé. Regarde la vitesse avec le score. Il faut maintenant que les Gabonais essaient de donner un autre visage. On va repartir à côté sénégalais avec là-bas cette action. Attention, on va essayer de. Qui est en train de subir là-bas sur le côté droit. Le Sénégal était ultra favori de cette rencontre. Alors on espérait, c'est pas forcément la même équipe aujourd'hui, mais c'est l'issue avec le jeu. Actuellement, le Sénégal est sur le départ là-bas sur le fond de l'attaque sénégalaise, récupéré par le Sénégal. Cette équipe gabonaise donc respirer un tout petit peu avec cette faute donc du problème. Donc, le Gabon qui n'était pas à la dernière compétition. On va partir sur le terrain avec Chevalon. Avec ce joueur quand même, parce que deux, trois positions pour pouvoir avoir Guilhemé qui va jouer. Ah bah attention avec Parfait, mais ce qui est plus intéressant. On a bien dit. Hein, très attendu d'ailleurs par les Ferrés du Sport Rouen, le championnat national. Ouais. Qui sait pour le 30 mars prochain. Ouais, en tout cas, parfait Julien ou Fanny. Sénégalais, on sera bien qu'il n'a que